Bonjour à tous, on se retrouve pour notre fameux tuto sur les semis de tomates. On avait vu précédemment l'autre vidéo sur les tomates greffées. On avait préparé nos tomates cerises petits moineaux. Et bien là, on est fin après 2 semaines et demie, on est fin février, on est le 23 aujourd'hui. Donc après, au bout de 2 semaines et demie, je commence à faire mes greffons pour mes futures tomates, celles que je souhaite consommer, hein. Alors bien sûr, ces tomates, vous pouvez aussi les faire. Vous pouvez les semer maintenant, que vous utiliserez même pas forcément en greffon que vous utiliserez à l'extérieur, hein. Là, cette méthode, ce sera pour l'un ou pour l'autre, hein. Soit vous les utilisez comme greffon pour vos porte-greffes, ou soit vous les sèmerez directement en... Enfin, vous allez les planter directement en pleine terre. Alors, on va faire nos petites tomates. On va faire les Saint-Pierre, classiques, les Saint-Pierre. On va faire des tomates ananas. Excellente, excellente, excellente. Des beefsteaks. Ensuite, donc ça, c'est... Alors, j'utilise notamment cela pour faire la sauce tomate. C'est les Saint-Pierre, j'utilise les beefsteaks. Et j'ai encore des tomates... Cœur de bœuf, tiens, d'ailleurs, je sais pas où je l'ai mise. Bon, c'est pas grave, je regretterai plus tard, mais je dois avoir les cœurs de bœuf quelque part. Je les ai oubliés. Bon, pas grave. Ensuite, on fera aussi des Grégory Altaï. Ça, c'est ce qu'on m'a offert. Des poires jaunes, des black cherry, Lucy Gem. Donc voilà, on va faire un petit peu ça aujourd'hui. Cela, on me les a offert par une amie. Je vous montre par contre, quand je les ai ouverts, les choses à pas faire. Quand vous récupérez les graines, il ne faut surtout pas les mettre dans un papier absorbant type ça. Voilà. Parce que ça reste collé et ça, c'est pas bon du tout. Pour les récupérer, c'est très embêtant. Donc, pas dans du sopalin. Le mieux, quand vous récupérez vos graines, vous les mettez dans une assiette, vous les laissez, ça va sécher naturellement. Et après, vous les mettez directement dans votre enveloppe et ça restera propre, hein. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je suis quand même content qu'elle me les ait gentiment offertes. Voilà. Alors, on a notre bac. Bac pour des spéciales semis. Ensuite, on a besoin de terreau. Alors, souvenez-vous, j'avais encore quand je tamisais pour la fin, j'avais du terreau qui était un peu avec des petits grumeaux. Ben ça, vous le jetez pas, vous le gardez, vous le mettez au fond de votre bac. Voilà. On va pas jeter du terreau semis. On le met au fond, ça dérangera pas pour les racines. Hein, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du terreau très 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 souple au dernier centimètre de notre barque, de nos barquettes, parce que c'est là où les graines vont se développer. Donc, il vous faut un bac semis, du terreau, un sac de terreau ici, spécial semis, je rappelle, hein, et on va remplir notre barquette. Donc, un bon terreau de semis. Pareil, description, si jamais vous regardez dans votre jardinerie, sinon bah, je vous en mettrai un en description. Si j'en trouve. Voilà, on met bien notre bas, petite barquette. Voilà. Vous pouvez le faire en plaque alvéole aussi, hein. J'avais fait aussi une autre vidéo l'année dernière. Bah, après, chacun fait comme il souhaite. Voilà. Ok, très bien. Voilà nos. On casse les petites mottes, hein. Les petites mottes, on les casse et s'il y a encore des morceaux, on les enlève. Bon, bien. On a fait ça comme ça. Vous mettez à peu près 3 bons centimètres. Ensuite, vous n'oubliez pas, on tasse. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer. Après, on va monter et je vais vous montrer les tomates petits moineaux qui ont poussé. Voilà. Donc, on a tassé notre terreau. Bon, pas comme des bourrins, mais vous tassez un petit peu. Ensuite, on prend un petit tuteur. Voilà, un petit tuteur à géranium que j'ai toujours. Et on va s'amuser à faire des rangées. Juste, voilà, on va faire une rangée. Deux rangées. Trois rangées et une petite quatrième. Hein. On peut faire largement quatre rangées. Voilà. On fait des genres de sillons. Hein. Ok, voilà.
montre ça. Pas si on va bien le voir. Ouais, on le voit bien. Ok, on fait des sillons comme ça. Ensuite, on va prendre nos petits sachets de graines. Alors, quand on les ouvre, hein, tapotez un petit peu. Parce que sinon, quand vous allez les déchirer, des fois, il y en a qui sont en haut. Vous en allez avoir partout. Donc, allez, on prend nos petits sachets de graines. Voilà, là, on va commencer par les tomates beefsteak. Ouais, on va mettre ça dedans. Encore au fond, voilà, je vous montre les graines. Ah, c'est des tout petites graines. Comme d'habitude, alors soit vous le faites à la main, soit vous faites avec un semoir, style ceci. Vous pouvez prendre ça et puis ça fonctionne aussi très bien. Bon, moi j'ai l'habitude de le faire avec la main, donc chacun fait comme ça l'arrange. Donc on va mettre graine par graine. Hein. Graine par graine et séparer environ de... Allez, un bon centimètre, hein. Un centimètre et demi. Hein. Je vais en faire une rangée, je vais vous montrer. L'avantage de ne pas trop les serrer, c'est que vous allez pouvoir les garder plus longtemps dans la barquette avant de les repiquer. Ça, c'est un petit avantage. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on est en février, et moi je suis dans l'est de la France, bah, si je les... Déjà, un, si je les sème trop tôt, ça va être compliqué pour les stocker, parce que je n'ai pas de serre chauffée. Et comme ça, si je laisse plus large entre chaque graine, je pourrais les garder une semaine, voire deux semaines de plus dans la barquette, ce qui fait que je vais avancer dans la saison et je vais avoir des températures un peu plus clémentes pour pouvoir les stocker sous abri du froid. Donc soit serre chauffée, soit sous cloche. Ça, on verra ça à ce moment-là. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Alors, je vais vous faire une rangée. Hein. Je vais faire tranquillement cette rangée-là. Hop. Voilà. Ok. Donc là, vous pouvez voir une petite rangée des graines. Hein. Donc à peu près au moins un centimètre et demi, voire deux. Hein. Comme ça, vous serez un peu plus tranquille. Voilà. On voit bien là. Et on s'amuse comme ça, toujours à faire des rangées. Ensuite, la deuxième, pareil, allez, graine par graine. C'est très minutieux. Hein. Alors bien sûr, hein, c'est pas une course, hein. Faites ça tranquillement. Hein. Si vous voulez tenter l'expérience des semis, de tomates, de plantes en général, c'est parce qu'on souhaite en semer beaucoup, c'est-à-dire au moins une trentaine de plantes. Si vous avez juste, si vous voulez juste 5 pieds de tomates, c'est pas rentable. Hein. C'est clairement pas rentable. Donc si vous faites vos graines vous-même, bah, il faut au moins une trentaine. Si c'est juste pour 5-6 pieds, bah, honnêtement, achetez-les dans une jardinerie, ça vous coûtera moins cher. Parce que le sac de terreau que vous allez utiliser... etc. Les pots, bref, les barquettes à semis, ça coûte pratiquement une vingtaine d'euros, hein, ces genres de barquettes à semis. Hein. Donc vous voyez, il faut vraiment, voilà, si vraiment vous les lancez dans des semis, honnêtement, est-ce que je fais... Alors, attends, je vais en faire une. Là, j'en ai un peu beaucoup là, putain. Je vais faire deux rangées, ça suffira. Hein. Hop. Là, je commençais à mettre, mais ouais, mais bon. Je ne vais pas faire toute une usine, hein, toute une exploitation de tomates beefsteak. Voilà, on a fait nos deux rangées. Ensuite, on va faire des ananas. Allez, hein. Ah oui, ce qui est aussi important, c'est de mettre vos étiquettes. Hein. Donc, c'est prendre une étiquette que j'ai d'ailleurs, où je les ai posées. Enfin, là, j'en ai, mais ils ne sont pas tous, pris, je crois, ça. Ouais. Alors, où sont mes étiquettes? Si vous les trouvez, ça m'arrange, je crois qu'ils sont de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, je vais effacer. J'en prendrai un. Ah ben non, j'en ai trouvé un. Étiquette, toujours. Et on marque ce que c'est. Tomate, beefsteak. Des beefsteak. Allez.
Voilà, on a notre étiquette et puis on la mettra. Moi, je mettrai pour les deux. Je sais que. Oups. Casser la gueule. Voilà, je sais que c'est pour les deux de toute manière. Donc, parquet de deux. Donc, beefsteak. Ensuite, on va continuer avec les tomates ananas. Pareil, on secoue un peu le paquet. Quand vous faites des tomates, si vous faites vous-même, alors prévoyez des tomates précoces, des tomates tardives, pour que vous en ayez un peu toute la saison. Et surtout quelques précoces comme la Gregoria Altaï. Ça vous permettra d'avoir quelques tomates en début de saison. Voilà. Ok, on continue avec nos semis. Ananas. Hop, voilà. Alors, comme j'ai fait sur les autres vidéos, bien sûr, vous les mettez à l'intérieur, hein. Certainement pas dehors, hein. Il fait beaucoup trop froid. On va les garder à un minimum de 18 degrés. Et le mieux, c'est 20. On va les mettre après dans le salon. Là, vous allez voir après, hein, l'installation en haut que j'ai dans le salon. On va les garder bien. Bien, ouais, je dirais un mois avant de les repiquer, un bon mois hein, avant de les repiquer. Mais vous les gardez au salon, à la lumière. Et ça, je vous montrerai encore en fin de vidéo. Je vous mettrai ça en description les lumières, comme d'habitude, parce que c'est vrai que souvent on me le demande. Qu'est-ce que j'utilise? Ben, je vais tout vous dire, je vais tout vous montrer. Ça, vous verrez. Hop. Alors, voilà. Hop, mets ça ensemble. Je vous fais juste une barquette, hein, après vous. Voilà. Continuerez. Faut avoir un peu l'œil, hein, parce que des fois, vous avez des perlites dedans, ces petits trucs blancs, hein, que vous voyez. Donc, une graine peut s'apparenter à de la perlite. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Et ça, encore une petite graine. Voilà. Hop, c'est barré, celle-ci. Tu reviens là. Voilà, je vais remettre dans le sachet. Fait des rangées. Je vais vous dire le nombre de graines de tomates que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, je crois que j'ai encore une. 14, 14. Donc ça fait ouais, à peu près une trentaine. Donc j'aurai à peu près. 60, quasiment 60 sur une barquette comme ça, je vous montre. Voilà, vous pouvez voir toutes les graines qui ont été semées. Hein. Voilà. Hein, d'accord? Vous faites 2 bons centimètres, entre 1,5 à 2 cm. Voilà, parfait. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous allez remettre du terreau de semis par-dessus. D'accord? Prenez un tamis. Tamisez ça dessus. Hop. Ah oui, l'étiquette. Oui. Ananas, j'en ai préparé. On met les étiquettes ananas. Voilà. Et on tamise. Pourquoi tamiser? C'est juste pour que ça soit encore plus légère la terre. Faut savoir que quand vous allez semer vos graines, il y a à peu près 90-95% qui lèvent, hein, au moins. Si vous avez fait tout bien comme je vous ai montré, là vous avez quasiment que de la réussite. Hein. On a mis ça bien. Et le surplus là, les petits granulés que j'ai encore, hop, dans l'autre barquette. Voilà, on jette pas. Déjà comme ça coûte assez cher le terreau. Et si en plus on commence à jeter la moitié, ça va pas le faire. Hop, voilà. Donc on tamise. Voilà. On fait attention quand on remet la terre, pas bouger les graines.
Eh bien. Encore ce côté-là. Donc elle recouvre tout simplement d'un demi-centimètre environ. Hein, ce qui suffira largement. Voilà. Très bien. Super. Allez, on va mettre ça dedans. Tac. Alors ça compte pour les tomates, ça compte pour tout. Hein. C'est la même façon que vous allez faire des aubergines, bref, tous les semis, hein, ce sera toujours le même, plus ou moins la même façon. Hein. Sauf les butternuts, la plupart des cucurbitacées, on les mettra directement en pot. Donc vous avez mis ça, vous prenez votre spatule pour tasser, et on tasse. Tac, tac, et voilà. Ben voilà, nos tomates sont belles, sont préparées. Il n'y a plus qu'à. Ensuite, donc, on va les mettre au chaud, mais je vais vous montrer. On va les arroser, hein. Vous les arrosez bien. Si vous avez vu déjà mes autres vidéos, on les arrose bien. Mais par contre, il ne faut pas que l'eau stagne sous le bac. Donc, soit vous mettez des trous, hein, soit en dessous, sur les côtés, assez bas pour éviter que l'eau stagne. Soit vous arrosez pas trop. C'est-à-dire, au départ, vous arrosez bien, que ça soit bien humide. Vous pouvez mettre un demi-litre hein, sur une barquette de ce type-là. Et mais surtout, faut pas que ça trempe dans l'eau, hein, parce que sinon, ça va pourrir. Hein, d'accord? Bon, très bien. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour je vous montre les petits moineaux en haut. Et également, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Allez, à tout de suite. Ok, on se retrouve dans le salon. Donc, une fois qu'on a fait notre barquette de semis, donc ça, c'est des notes de salade, d'ailleurs, que je vais mettre dehors demain. Vous les mettez, donc vous les arrosez, que ce soit bien humide, votre terreau. Vous les mettez dans votre salon, à une température au moins de 19 degrés, hein, 20-22 degrés, c'est l'idéal. Et surtout, regardez nos porte-greffes, nos porte-greffes petits moineaux que j'ai semés il y a 2 semaines et demie. Vous avez vu comme ils sont beaux? Ils ont 5 bons centimètres, hein, vous voyez? Comme ça pousse bien. Et l'avantage, c'est que là, ils ont pas filé grâce au, ils ont une belle rampe, une belle tige. Et ça, c'est plutôt pratique parce que quand je vais les repiquer, je vais pouvoir un peu les enfoncer. Et quand je vais faire mon greffon, quand je vais le couper, en fait, c'est bien parce que j'ai une belle tige que je vais pouvoir enfoncer et surtout pouvoir faire mon point de greffe assez bien. Donc, vous voyez, dès qu'ils ont à peu près cette taille. Vous pouvez commencer vos greffons. Hein. Donc ça, c'est les porte-greffes, petits moineaux hein, que j'avais fait. Donc, une fois que vous avez fait vos semis de tomates, aubergines, bref, un peu tout. Lumière, hein. Lumière, vous avez vu. Hein. S'ils n'avaient pas de lumière, ça file. Donc là, j'ai ce type de lumière. Et là, l'avantage avec ce type de lumière, c'est que je programme. Voilà, je programme. Là, c'est sur 12 heures d'ensoleillement. Il faut un minimum de 12 heures. 12 heures, c'est bien. 12 heures, c'est correct. Hein. Sur une lumière blanche. Hein. Là, en dessous, si on le voit, ce sont des lumières blanches. Hein. Hein, vous laissez en lumière blanche. Et puis voilà. Donc, voilà ce que ça peut donner. Hein. Donc, important des lumières en description. Bien sûr, les lumières. Et on va falloir suivre ça. Surtout, on ne les met pas dehors. Hein. Je rappelle, dehors, il fait beaucoup trop froid. On les repiquera dès qu'ils seront à peu près cette taille-là. On va les repiquer. Dès qu'il y a à peu près deux vraies feuilles, mais on fera une vidéo nouveau hein, pour le repiquage. Deux vraies feuilles, on va les repiquer. Hein. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important parce que vous aurez au moins les informations en temps réel et ça, c'est plutôt cool. En description, tout le matériel que vous aurez besoin. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas et on se retrouve pour la suite de notre plantation, de nos semis, etc. Maintenant, on est un peu... dans le rush entre guillemets, ça commence tout doucement. Hein. Donc là, vous pouvez commencer vos semis. Après, vous aurez encore début mars hein, pour les faire. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.